On commençait à se lasser des sempiternelles vraies aux fausses apparitions de la Vierge Marie du côté de Simaboum dans les années 1986, mais aussi à travers le pays. Mais de quel événement pouvait-il s'agir? Personne ne pouvait donner la réponse. Seules des vieilles femmes prétendaient que cet événement leur apporterait un renouvellement quasi certain de leur virginité un peu défléchie. Certains Africains pensent que la couleur noire demeure une fatalité. Oh que non! On pourrait le croire quand on sait que l'Église catholique a toujours représenté le diable ou Satan par la couleur de peau noire, alors que les anges étaient tous blancs. Même pas Yannick Noir! Le bataillon était composé de 8 militaires, fusils à l'épaule, et qui veillaient à la bonne montée du drapeau, alors que le quatrième éprouvait toutes les difficultés à maintenir la face de l'emblème de la nation, pendant qu'on entendait exécuter l'hymne national par trois clairons qui, comble de tout, portaient encore le fameux ceinturon rouge de la coloniale autour de la taille. Manquait seulement la chichère rouge d'une marque bien connue de chocolat. Cette montée du drapeau était sujet à des caprices du vent, alors que le clairon, pas très rassuré, confondait sa musique à la marseillaise, offrant au même moment le revers du drapeau français. Ce spectacle, parfois assez affligeant, démontrait à la fois la faiblesse chronique de nos États. Molo était journaliste, investigateur, chargé en effet des disparitions et autres méfaits concernant les mœurs et enlèvements d'enfants, s'approchait de lui en exhibant sous son nez sa carte de presse. Il lui demanda de décliner son identité. Je m'appelle Tidjani Hamed, commerçant bien connu à Medougaï. Je viens souvent dans cette ville travailler avec le Zouave. Quatrième paragraphe. Le génie de Rasputin. Le président rénovateur avait le secret de fabriquer et de réduire à néant ces différentes créatures qui entouraient son gouvernement. Mais de là à posséder un clone qui aurait pu être son frère jumeau, on aurait dit le fils caché de Louis XIV. Personne n'était capable d'imaginer une telle énigme. Pendant 2 jours, le président tournait en rond comme une âme en peine dans les 200 pièces de son palais, essayant de savoir ce qu'il allait bien faire du vrai Zouave, qui lui ressemblait à s'y méprendre qu'un jour, la première dame faillit commettre l'absurde. Pourtant, les deux hommes étaient nés à plus de 200 km de distance. Quand on connaît la valeur politique de lui, je n'étais pas le seul à posséder ce genre d'entreprise hors du pays. Certains compatriotes possédaient des appartements des milliards de francs dans les quartiers du peu de Paris, même dans la banlieue flamande de Bruxelles, du côté de l'Azantène. Vous auriez pu créer des emplois pour de nombreux jeunes sortant des écoles avec des diplômes, mais qui ne trouvent pas de situation plus lucrative, surtout quand les parents ne sont pas fortunés. Le cas de votre fille est là pour en témoigner. Je vais m'arrêter.